Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. J'espère que tout se passe bien pour vous, vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous allons faire le tour, justement, on fait une petite chronique hebdomadaire, savoir ce qui s'est passé les quelques derniers jours. Ça va être relativement vite fait, mais j'aime bien faire ce genre de choses pour se donner des points de retard dans X temps. Quand on regardera en arrière, et on aura juste à aller voir sur certaines dates, les week-ends, ce qui s'est passé pour survoler un petit peu tout ça et se souvenir, souvenir de... Toujours intéressant de se pouvoir se refaire l'historique des choses, c'est toujours très intéressant. En tout cas, cette semaine, on a eu un BTC qui nous a fait du moins 2%, moins 2,4. L'ETH, il a fait moins 6,63% en moins. Donc, malheureusement, on a un marché plutôt rouge. Bon, je vous ai fait une autre vidéo en parlant des graphiques, donc c'est pas ce que je vais faire là. Mais on va faire le tour du marché. Sinon, la guerre en Ukraine, ça a toujours, malheureusement, ça a toujours lieu, évidemment, avec des énormes pertes, etc. Et ça, on espère que ça s'arrête. Mais vous voyez, mauvaise nouvelle, il y a des bonnes nouvelles, le monde ne s'arrête jamais, c'est presque pénible parfois d'ailleurs, parce que d'un côté on a des gens qui sont dans la tyrannie, qui sont dans la tristesse, dans la souffrance, et de l'autre côté des gens qui sont dans la joie. Voilà, le monde est fait comme ça, et en cette semaine c'est encore la même chose. On a eu la Coupe du Monde, où alors là aussi il y a eu des heureux et des perdants, on a les bleus qui ont cédé, mais bon, je pense ils ont très 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 bien joué, et bravo, bravo aux gagnants, c'est toujours le meilleur qui gagne, comme on dit, et voilà une chose de plus, mais tout ça pour dire que le monde ne s'arrête jamais, malheureusement, même quand il y a des grosses catastrophes quelque part, le monde continue, donc il faut essayer d'anticiper un peu pour ce qui va se passer après, pour aller chercher, pour tout le monde, ces moments de bonheur, évidemment, et pas de pleurs. Donc voilà, c'était mon petit commentaire, sinon Jean-Luc Lecoq nous dit quoi, l'Union Européenne veut taxer le monde entier, on en a parlé beaucoup justement cette semaine. Effectivement, ils cherchent tous exactement à réguler notre marché et puis évidemment prendre un maximum de taxes dessus. Donc il y a plein de commentaires là-dessus. Je vous mets les liens, vous lirez tout ça. Là le but c'est de survoler un petit peu tout ce qui s'est passé. Les sénateurs souhaitent rendre l'agrément PSAN obligatoire. Voilà, ça c'est bon pour la France. Encore une fois, nous brûler dans tous les sens. Le PSAN c'est un peu compliqué. Alors que le secteur de la crypto-monnaie se remet doucement de l'affaire FTX, les sénateurs français jouent le jeu de la surenchère, une dynamique qui ne va pas décidément pas faire de votre pays une destination attractive pour les acteurs de cet écosystème, évidemment. Car l'obtention du sésame PSAN, déjà très compliqué, pourrait bien se voir complétée d'un agrément obligatoire délivré par l'AMF, un message désastreux pour l'industrie française selon des responsables de la DAN. Et oui, ça je comprends, je vous mettrai tout ça, vous creusez tout ça. Effectivement, on n'a pas besoin de ça du tout. On se dit en France, on se dit vouloir être à la pointe de tout, de choses innovantes, etc. Et là, on s'aperçoit que nous, on essaye de brider actuellement la crypto-monnaie, le plus possible en tout cas. Allez, justement, lisez ça, je vous mets cet article-là, je vous mets le lien, donc vous irez le chercher, c'est les autorités des marchés financiers, et vous aurez dessus leur vision de la crypto, ce qu'ils en pensent, comment ils voient ça, etc. Il y a plein d'informations là-dessus qui sont hyper intéressantes à lire, évidemment, pour ceux qui ne sont pas... Alors, faut pas tout prendre pour, monnaie contente, mais il faut lire tout ça, donc je vous laisse les liens et vous en ferez ce que vous voulez. L'ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté chez lui aux Bahamas. Et ben voilà, ça on l'a vu arriver. Alors lui il risque chaud, ça va être chaud, crypto-monnaie, menteur compulsif, escroc. Qui est Sam Bankman-Fried, l'ex-multimilliardaire et PDG de FTX? On en parle toute la semaine, on en parle à longueur de temps, et c'est pas fini, ça c'est quoi, c'est RFM Crypto qui nous dit Samuel Bankman-Fried, ce qu'on appelle SBF, risque 115 ans de prison. 115 ans, c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Bon, tout ça, c'est pas terminé. Il y aura des résultats dans quelques temps, évidemment. On va suivre tout ça de près. Lui, il a l'air, depuis pas mal de temps, il a l'air de prendre tout ça un peu à la légère. C'est pas de sa faute, c'est pas ci, c'est pas ça. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais on verra. C'est la justice qui va décider de tout ça. Mais ça nous a mis un coup terrible. Ça nous a mis un coup terrible, mais encore une fois, je vais me répéter, mais
C'est pas un mauvais coup de la DeFi, quoi. C'est un mauvais coup de personnes qui travaillent sur des plateformes d'échange, comme il y en a beaucoup partout, qui sont plus ou moins comment, centralisées. C'est pas vraiment notre système de la DeFi, hein, parce que tout le monde confond un peu justement notre système DeFi et le reste un petit peu de ce monde, de cet univers de la crypto-monnaie. Voilà, c'est pas la crypto-monnaie qui est vraiment coupable de tous les actes qu'il a fait, quoi, hein, du tout. Il l'aurait fait n'importe où. Il a profité de cet actif risqué-là, hein, mais il l'aurait fait avec autre chose, hein, voilà. Allez, Binance, alors lui, pareil, il souffre, hein, Binance, en mode stress test. Ça a été toute la semaine comme ça, puisqu'il a été quitté par un cabinet qui s'occupait de lui pour voir si tout était en place, etc., etc. Le cabinet Mazars, qui a dit que tout allait bien, apparemment, hein, mais après, carrément, Mazars a carrément dit qu'il ne voulait plus s'occuper et de Binance et des autres crypto-monnaies. Il veut plus du tout avoir affaire à notre écosystème. Ça, c'est pas très rassurant, hein, mes amis, hein, c'est quelque chose qui est pas du tout rassurant. Bon, encore une fois, c'est pas dramatique, hein, tout ça va passer, mais dans l'immédiat comme ça, on se demande pourquoi. La question, c'est pourquoi le mec il veut plus entendre parler de la crypto-monnaie. Voilà, là vous pouvez avoir cherché les réponses, vous me direz, mais la question est là en tout cas. Allez, FTX, sa disparition n'est pas le plus gros problème des investisseurs cette semaine. Voilà, ça c'est ce qu'on a appris aussi. C'était pas mal, hein, j'ai bien aimé dans Crypto Actu. J'ai bien aimé ça parce qu'effectivement, on n'oublie pas, hein, qu'on a eu d'autres soucis. On n'a pas eu que FTX, hein, on a eu d'autres soucis avant. Hein, on a justement Terra Classic, hein, Trayaro Capital, le 3AC, Celsius. Bon, tout ça on se souvient bien. Hein, tout le monde se souvient très bien de UST. Hein, quand on dit terme UST maintenant, ouf, ça fait peur à tout le monde. Hein, à pas confondre avec d'autres, hein, effectivement. Donc on a eu très très peur et on a eu des grosses pertes. Hein, il nous explique bien. Alors dans les pertes, il y a deux choses qui sont calculées, évidemment. Il y a les pertes qui sont actées. Ça veut dire que quand vous vendez, hein, votre actif est descendu, il s'est écroulé, et une fois que vous êtes très bas, vous vendez. Bon, ça, on peut le calculer tout de suite, hein, puisque vous ne pourrez plus le refaire d'une manière ou d'une autre. Et après, il y a tout ce qui reste dans le système et qui n'est pas encore sorti, hein, mais qui s'est quand même écroulé. Hein, donc, hein, vous voyez, il y a différentes manières après de calculer les choses. Ils le font très bien sur cet article-là. Donc, je vous laisse vous lirez ça. Hein. Allez, Mazars suspend sa collaboration avec Binance, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, donc voilà, gros problème. Et le pourquoi du comment. Pourquoi ils disent d'un seul coup, la crypto, ça ne nous intéresse plus. Hein. Alors déjà, ça fait peur. Qui travaille plus avec Binance, on se dit, mince, ils ont peut-être vu des trucs, ils n'osent pas dire, je ne sais pas, ou ils ont compris que c'était très compliqué, on ne sait pas. Mais en plus de ça, qui fuit carrément le monde de la crypto, là on se dit, c'est du délire. Pardon. Je suis toujours en train de tousser en ce moment. C'est du délire, mais je pense qu'ils protègent leurs fesses. Ils ont trop peur qu'arrive un mauvais coup et qu'ils soient pris dans tout cet engrenage, hein, sans avoir pu vraiment voir ce qui se passait. Parce qu'en réalité, c'est là le défaut de de notre système. C'est qu'en réalité, c'est pour ça que tout le monde veut nous réguler ni quoi que ce soit, parce que pas grand-chose est contrôlé. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui soit le font exprès, soit le font pas exprès, mais ne font pas les choses régulièrement comme ça devrait se faire pour un peu protéger tout le monde. Donc, tout ça, c'est vraiment un problème. On verra ça avec le temps. On va voir comment ça va se passer. NFT borré d'Apple. Hop. Le secret de ses promoteurs enfin révélé. Yuga Labs dans la tourmente, évidemment, parce que là, on en a parlé, hein, déjà. On apprend qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués. Pourquoi? Parce que ça a été un peu poussé, on a fait beaucoup de pubs, mais ça, on a l'impression que quand on lit un article comme ça, qui est bien fait, hein, allez le voir, hein, c'est Journal du Coin, pareil, qui nous lit ça, on a l'impression que les gens, ils découvrent quelque chose, hein, mes amis. Hein. On sait très bien que la plupart des projets doivent être poussés d'une manière ou d'une autre, parce que si un projet, personne n'en parle, évidemment qu'il ne pourra pas avancer, il va mourir tout de suite, hein, même s'il est bon, hein, même s'il est bon. Hein. Après, bon, il y a différentes manières de le faire, et ce qu'on reproche surtout, c'est que ça n'a pas été dit, quoi. Hein, effectivement, hein, mais effectivement, il y a plein de célébrités qui se sont mis à parler de nos petits singes, là. Hein, donc, ils ont fait avancer le business, mais apparemment, ils auraient touché beaucoup d'argent pour faire ça.
évidemment. Et ça, on se doute un peu, hein, ça s'appelle la publicité payante, mais ils auraient dû théoriquement le dire, donc ils vont tomber sous des coups de loi, quoi. Hein, donc voilà, autre problème, quoi, pour eux en tout cas. Les NFT sont-ils trop centralisés? L'affaire FTX révèle un besoin de décentralisation. Oui, parce qu'il y a eu des NFT qui ont carrément été perdus, hein, qui étaient axés sur FTX. Et malheureusement, une fois que ça s'est fermé, bon, on ne pouvait plus récupérer. Voilà. Donc, tout ça, pareil, vous lisez. Si vous êtes un amateur de FTX, faut faire de NFT, il faut faire très attention sur quoi on le prend, où on le prend. Enfin, encore une fois, on ne peut pas tout prévoir. Donc, quand on est dans la tourmente, malheureusement, on est dedans. Après, une fois qu'on a pris la leçon... C'est ça l'expérience de la vie, mes amis. Et on a pris la leçon, on a compris un peu mieux. Hein. Super Trump, alors lui aussi, hein, des leçons, il a déjà pris, mais il continue. Donald Trump émet des NFT à sa gloire et provoque les moqueries. Bah écoutez, hein, s'il vend beaucoup ses NFT, bah, il sera champion du monde là-dessus. Parce que le but des NFT, c'est quoi? Hein, c'est de produire quelque chose et c'est de le vendre au maximum. Alors on verra, on fera le résultat dans quelques temps. Je ne suis pas en train de faire de la politique, hein, je m'en fous pas mal hein, de lui et des autres, je m'en fous pas mal moi. Hein. Mais le résultat, c'est ça. Hein. Soit il sort un NFT, ça plaît à personne et c'est le bid le plus complet. Soit il sort un NFT et il les vend super bien. Et dans ces cas-là, bah, c'est pas un bid, on peut pas appeler ça plus tard, on peut pas appeler ça autrement. Hein. Donc on verra bien ça, on verra bien ça. Tout le monde hein, veut faire ses NFT, on a bien compris, ça y est, hein, c'est un truc, je le dis depuis X temps. Hein. On se demande qui ne sera pas dans les NFT. Renault lance ses premiers NFT en hommage à la Renault 5. Bah, super, voilà, grave. Sinon, là, bonne news, hein, je leur fais pas de pub, hein, parce que j'ai aucun intérêt chez eux, je ne demande aucun lien ni quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais Ledger sort un autre, Ledger Stacks, voilà, hein, donc c'est intéressant, hein, les wallets physiques, vous en avez besoin, hein, pour tous ceux qui rentrent dans la crypto, ceux qui veulent mettre pas mal d'argent, si vous avez 200 euros dans la crypto, c'est pas la peine d'aller acheter ce genre de choses, ou 300, ou 400, ou 500, parce que ça vaut 279 euros, vous voyez, le Ledger Nano, 149, hein, 79, hein, déjà avec ça, vous êtes protégé. Donc, mais si on a 300 euros, 200 euros, c'est pas la peine d'aller acheter un truc comme ça. C'est pour ceux qui mettent beaucoup plus d'argent. On doit protéger son argent. C'est indispensable dans notre système. Hein. Et là, que ce soit tous les jours, en semaine, en mois, en année, c'est exactement la même chose, mes amis. Allez, voilà. Merci de m'avoir écouté. On a fait juste un petit point comme ça. Après, hein, vous allez sur les liens, vous regardez, vous étudiez tout ça. Et à la prochaine vidéo, mes amis. Hein, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Il n'y a pas de problème. Vous êtes le bienvenu. Et vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas abonné. Il n'y a pas aucun souci. À bientôt. Portez-vous bien surtout. Et on est là et on sera encore là demain. À plus tard.